Faragri, un jeune homme, entrepreneur américain, s'est mis à vendre de la lotion pour le corps à l'âge de 6 ans. À l'âge de 13 ans, sa compagnie, il a lancé sa nouvelle compagnie qui s'intitule Far Out Food et en un an, il est devenu millionnaire. À l'âge de 14 ans, il était le plus jeune à avoir son bureau sur Wall Street. Ashley Quazel, de son côté, une jeune américaine, emprunte un jour 8 à sa mère pour créer un site Web. Whateverlife.com. Elle crée son site web et à l'âge de 17 ans, elle a eu son premier million. Il y a quatre ans, on estimait ce, ce, toute sa, sa, la valeur de ce site à 8 millions de dollars. Ça, c'est l'Amérique, la terre de l'opportunité, le rêve américain. Voici la, la, la formule du rêve américain c'est travail fort, rêve grand, aide euh, du courage, de la détermination, et tu vas avoir de la prospérité. Mais est-ce que c'est vraiment ça le but? Est-ce que c'est vraiment ça le but de la vie? Est-ce que c'est vraiment ça le succès? Parce que le rêve américain nous parle de liberté et d'être son propre boss, mais Paul, lui, l'apôtre Paul dans la Bible, se proclame esclave de Jésus et se dit serviteur de l'Église. D'un côté, le rêve américain parle de réussite et de promotion. Jésus, lui, nous invite à perdre notre vie afin de le suivre. D'un côté, le rêve américain nous parle de confort matériel, puis Jésus dit, prends ta croix, puis suis-moi. Tellement deux opposés. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que la Bible est en opposition avec le rêve américain. Non. Je suis pour ceux qui ont de l'ambition, je suis pour l'entrepreneuriat et je trouve ça merveilleux. La seule chose, par contre, que je dis, c'est que le royaume de Dieu est géré selon différents principes. Le royaume de Dieu n'est pas géré selon les mêmes principes que notre société où tu fais et tu vas récolter ce que tu as semé. Jésus dit, tu vas récolter, point, à cause de ma grâce, mon amour est fini pour toi. Et alors qu'on se bat tant pour le succès, dans notre vie du quotidien, on veut avoir ce succès, ce rêve américain, Paul, lui, l'un des hommes le plus lus dans l'histoire de l'humanité, étant donné qu'il a écrit la majorité du Nouveau Testament. Donc, on pourrait dire même qu'il a eu le succès selon notre culture, si on y pense ainsi. L'homme le plus lu, l'apôtre Paul, lui, est en train d'écrire une lettre en prison. Il se retrouve à Rome, en prison, en train d'écrire aux chrétiens qui vivent dans la ville de Colosse, donc aux Colossiens. Et dans cette lettre-là qu'on étudie ensemble depuis le début du mois de janvier, on passe des petites portions ensemble à chaque semaine, et on voit que l'apôtre Paul parle d'un Dieu tellement extraordinaire, d'un Dieu incroyable, d'un Dieu grand, d'un Dieu en qui tout a été créé pour lui, par lui et en lui, un Dieu extraordinaire. Et il nous parle de ce Dieu qui est pléroma, qui veut dire plénitude. Ce Dieu qui est tout plein, ce Dieu qui contient tout ce que l'être humain a besoin. Il nous parle de ce Dieu extraordinaire et tranquillement dans sa lettre, il converge pour décrire comment cette réalité d'un Dieu si extraordinaire se concrétise dans la vie d'un petit chrétien bien ordinaire. Comment ça se traduit dans les combats quotidiens du chrétien ordinaire. C'est le titre de mon message ce matin, la pléroma dans le combat du chrétien. Est-ce que vous êtes là? Ah comment je vais avoir besoin de plus que ça Est-ce que vous êtes là All right. Alors, on texte, on, on va lire notre texte ce matin, Colossiens chapitre 1 verset 24, si tu as ta Bible, tu peux prendre le temps de l'ouvrir. Et on va lire ensemble, sinon ça va chier à l'écran. Voici ce que ça dit "Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'éprouve pour vous." Des souffrances que j'éprouve pour l'église. Dis avec moi souffrance il n'y a personne comme ça dit ça. Hein? OK. <laughs> C'est un mot mal aimé. Il n'y a personne qui veut dire ça. OK. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'éprouve pour vous en parlant de l'Église. Car en ma personne, je complète ainsi ce qui manque encore aux souffrances du Christ pour son corps, qui est l'Église. Je suis devenu serviteur de l'Église, conformément à la mission que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer pleinement son message, c'est-à-dire le plan secret. Dis avec moi, le plan secret qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. Quel est ce plan secret? On va y revenir tantôt. On voit un Paul qui d'abord dit, « Je souffre, je lutte, je, je me bats, je combats pour vous, je combats pour l'Église. » Et au travers de ce combat, il y a des souffrances. Vous savez, souvent on a cette pensée utopique que lorsqu'on donne notre vie, on commence à suivre Jésus-Christ, tout va bien aller. Tout va bien aller avec Jésus, ça va bien, on va avoir une meilleure vie, ça va régler nos problèmes. Euh, il va y avoir un... On va jouir d'une qualité de vie, tout ça, et ça, ça veut dire qu'on est béni. Mais si on garde cette pensée-là et on regarde à l'apôtre Paul, Paul n'est pas béni, il est en prison. Alors, ça serait faux de dire ça. La bénédiction n'a pas rapport avec la souffrance que tu vis ou pas. Paul est en prison. Il dit Voici un croyant, je suis un croyant, un serviteur de l'Église et je suis quand même en prison. Je vis quand même des souffrances. La souffrance, les souffrances de Paul, c'est tout simplement la vie. Les combats et les souffrances d'un croyant, c'est la vie. Le croyant peut vivre et peut être défié et se, se cogner contre la maladie Il peut vivre des crises. C'est normal, ça fait partie de la vie d'avoir des crises financières, des chicanes de couple, des drames. Et je ne le dis pas sans, compas sans compassion ce matin. Et, et je ne le dis pas avec fatalisme ce matin. Je dis juste que ça fait partie de la vie. Et l'apôtre Paul dit, effectivement, même moi, je souffre. Je souffre. Je vis des souffrances. Et il donne cette image, et ce matin, je vais parler beaucoup de cette image du combat, la vie comme étant un combat. Hein? Tu ne peux pas être dans une lutte, être dans un combat sans recevoir de coups. Va pas te battre si tu ne veux pas recevoir de coups. Vous me suivez et, et peu importe l'image que tu as de la vie, tu peux avoir, voir la vie comme étant une course. Eh bien dans la course, une moment donné, tu vas avoir une crampe, une moment donné, tu vas avoir des douleurs musculaires, une moment donné, tu vas, tu vas manquer ton souffle. De La même manière, dans la vie, peu importe l'image que tu as de la vie, il y a un moment donné où -ce il va y avoir des confrontations, où ce qu'il va y avoir du, de la souffrance, où -ce il va y avoir des difficultés. Est-ce que vous êtes là Ça fait partie de la vie. Et Paul va dire, je complète ce qui manque aux souffrances de Christ pour l'Église. Est-ce que ça veut dire que Christ n'a pas assez souffert? Il faudrait ajouter quelque chose? Non. Paul ne dit pas ça parce que Paul ne dit pas qu'il y a un manque dans l'œuvre que Jésus a accomplie, parce que ça serait contradictoire avec le message central de toute, sa lettre, de toute sa lettre et le reste des Écritures, et aussi contraire à ce que Jésus lui-même a dit sur la croix lorsque c'est écrit, tout est accompli. L'œuvre de Christ est suffisante. On n'a rien à y ajouter. Mais Paul est en train de dire, alors que juste un peu plus tôt dans, dans le message, dernier message que j'ai apporté, euh, Paul va dire, Jésus-Christ est la tête et le corps, c'est comme l'Église. Jésus-Christ est la tête et le corps, c'est l'Église. Et Paul est en train de dire, si la tête souffre, je m'attends aussi à ce que le corps souffre. C'est normal. Hein? C'est une migraine. Tu vas pas aller t'entraîner, right? Ça a beau être juste un mal de tête, mais ton corps va pas vraiment suivre. De la même manière, l'image est un peu est, est pas parfaite, mais tout simplement pour dire que je m'attends à souffrir comme Christ a souffert, lui qui était Fils de Dieu. Et en d'autres mots, il est en train de dire, l'apôtre Paul est en train de dire, ce n'est pas à cause que l'Église souffre que Christ n'est pas la plénitude, mais au contraire, même à cause que Christ est plénitude. Je suis prêt à souffrir. Je suis prêt à souffrir pour l'Église. Et les souffrances et le combat de Paul pour l'Église, je crois que ça devrait peut-être, ou du moins je nous pose la question est ce que ça devrait être aussi notre combat à nous tous, chrétiens? Sommes-nous tous appelés à ça? Parce que souvent on, on, on met une différencie, une dichotomie entre euh, les pasteurs et euh, le chrétien ordinaire, si on veut? Hein? Est-ce que ça nous arrive de faire ça? Ah mais si Paul souffre, ben, c'est le rôle du pasteur de souffrir, pas le mien. <laughs> ah ouais Max, vas-y. <laughs> mais pensons-y juste un instant. Paul est en prison effectivement. Paul s'est fait lapider, Paul s'est fait torturer, Paul a vécu tellement de choses. Et effectivement, il a souffert pour la cause de Christ. Et il se retrouve en prison et c'est pas une belle prison là avec la TV là. Il est dans un cachot en prison, mais où est l'ensemble des chrétiens pendant ce temps-là Où sont les chrétiens C'est quoi la réalité des chrétiens de cette époque Les chrétiens sont appelés les martyrs. Ils se faisaient poursuivre par l'Empire romain à cause de leur foi chrétienne. Ils se faisaient torturer, lapider, tuer, décapiter. Ils se faisaient amener dans des arènes à Rome devant des milliers, des centaines de personnes. Ils se faisaient tuer par des gladiateurs. On sortait les lions. Ils se faisaient déchiqueter en spectacle, donner en spectacle. C'était barbare. C'était dégueulasse. Mais c'était ça. C'était ça la réalité du croyant à cette époque-là. Paul est en souffrance, est en prison, a vécu des choses terribles, mais le croyant est aussi dans la souffrance et a vécu des choses terribles. Et pense juste un instant à la puissance de ce témoignage. Imagine juste un instant voir quelqu'un que tu connais, quelqu'un de ta famille, ton voisin, ton boulanger, qui est là, qui re, refuse de renier la foi chrétienne, il est dans une arène, il se donne, il se, il se fait tuer. Wow! Imagine juste le, le témoignage que ça a et l'impact pour les autres croyants. Il est prêt à aller jusque-là pour Jésus-Christ. Wow. Imagine l'impact que ça a sur les non-croyants. Il est prêt à aller jusque-là pour Jésus-Christ. Wow. Ça a un impact. Et je crois que ça devrait être aussi notre témoignage à nous, chrétiens. Ça devrait être notre témoignage de se battre pour l'Église et accepter et avancer, même s'il y a des souffrances. Maintenant, on va se le dire, on est au Québec. Il n'y a personne ce matin qui va perdre sa vie à cause de ses croyances. Il n'y a personne qui va se faire tuer à cause de ses croyances. Et c'est pourquoi je fais une parenthèse un peu personnelle, dans le sens où je crois que parfois dans notre jargon chrétien, on utilise des mots qui sont peut-être un petit peu inappropriés, parce que parfois on va dire, ah, je me sens persécuté. Et je ne veux pas diminuer comment tu te sens, parce que, effectivement, parfois la douleur peut être vraiment intense. Mais, mais cela dit, euh, réalisons ensemble qu'il y a vraiment des chrétiens qui se font aujourd'hui en 2018 persécutés, tués à cause de leur foi chrétienne sur le globe, sur la terre. Il y en a. Je ferme la parenthèse. Alors, on, on ne vit pas ces situations extrêmes, mais je pense que l'apôtre Paul veut euh, amener les croyants à dire... C'est quoi c'est normal, c'est correct, ça fait partie de la vie et parfois la souffrance va être là et même à cause que tu es chrétien, ça se peut que tu vives de la confrontation à cause de ta foi, ça se peut que tu vives des... ça se peut que ça provoque des réactions, ça se peut que même ça te désavantage dans ta marche, ça se peut que ça te désavantage dans la vie parce que toi tu payes tes impôts, ça se peut que ça te désavantage, ça se peut que tu n'aies pas la promotion juste parce que tu es un chrétien qui va à l'église le dimanche matin, effectivement. Paul dit, ça se peut. Ça se peut que tu aies à te battre contre ça. Ça se peut que tu, tu subisses de l'intimidation, que tu aies du harcèlement, des insultes, du mépris, que tu sois traité comme un traître par ta famille, que tu vives du rejet à cause de ta foi chrétienne. Ça se peut. C'est ce que Paul dit. Ça se peut. Et c'est normal que les chrétiens combattent pour la cause de Christ. Je ne parle pas ici de rébellion, je ne parle pas de, de provocation puis de sortir avec nos pancartes. Hein, vous comprenez bien? Je ne parle, je, je parle pas d'être anticulture, je parle juste de c'est normal que ça provoque une tension. Pas dit, on combat pour l'Église. Je souffre pour vous. Vous savez, la semaine dernière, j'ai combattu pour l'Église. Même, j'irais même à dire que j'ai souffert la semaine dernière pour l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant? Sinon, juste donner quelques détails. Vous savez, actuellement, on est dans le processus pour acquérir un local à Terrebonne, un local permanent, un local où notre Église va pouvoir célébrer les dimanches matin à chaque semaine et être là à longueur de semaine et tout ça pour être une lumière et un phare dans cette ville pour les croyants et les non-croyants. Amen. Donc, on est dans ce processus-là et on doit faire des demandes de changement de réglementation au niveau de la ville et de l'urbanisme. Et alors que je suis dans une rencontre avec l'urbanisme, on apprend certaines réglementations qui, avec la nouvelle administration, vous savez, tout ça, il y a beaucoup de changements et on apprend certaines règles qui nous allument juste des petites lumières. Et on se dit, OK. On veut être de bons citoyens, puis on veut s'assurer surtout que, euh, que de garder une bonne réputation auprès de la ville pour ne pas nuire à notre dossier qui avance. Alors, ça allume des petits questionnements par rapport à notre situation actuelle ici au cinéma. Donc, on se posait des questions. Alors, on a décidé de prendre un pas de recul, de canceller la réunion la semaine prochaine. Dernière, donc on s'excuse si vous êtes vous vous êtes présenté ici. Euh, on a essayé de faire du mieux notre possible pour euh, aviser tout le monde, mais euh, on a dû canceller la réunion pour pouvoir euh, se positionner, et avoir aller chercher des avis de professionnels sur les questionnements qu'on avait. Et aujourd'hui, bah ben, ça ça a résulté dans le bon sens parce qu'on se retrouve ici ce matin à célébrer le Seigneur ensemble au cinéma. C'est good. Donc, j'ai oh, euh, jamais vu autant de monde se réjouir qu'on était encore au cinéma euh, cette semaine. <laughs> Donc, c'est ce qui s'est passé. Et, mais, je peux-tu vous dire qu'on en a vécu une gamme d'émotions la semaine dernière? Je peux-tu vous dire qu'il y, y a des leaders qui m'appelaient, « Qu'est-ce qui se passe? » et, et plein d'émotions, plein d'incompréhensions, de, 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 de plein de déchirements, plein de « Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est correct? » Est-ce que Combat pour l'Église, je suis prête à souffrir pour vous. Il y a des choses, des fois, de ces combats, de ces confrontations que le chrétien va vivre. Il y a une souffrance. Paul parle d'une souffrance personnelle ou pour l'Église. Dans la douleur et dans l'affliction, on peut dire, comme Paul en 2 Corinthiens 4, nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés. Nous sommes désemparés, mais non pas désespérés. Nous sommes persécutés, mais non pas abandonnés. Nous sommes abattus, mais non pas perdus. Amen. Paul souffre pour l'Église. Et Paul se dit serviteur de l'Église. C'est intéressant parce que je crois que nous avons tous un rôle à jouer pour l'Église avec un grand E. Paul, lui, annonçait le message, le plan secret, le plan mystérieux. C'est quoi ce plan-là? On, on, on va y aller, on va y aller. Mais quel est notre rôle à chacun d'entre nous? Est-ce qu'on est tous appelés à ça? Encore une fois, est-ce qu'on fait une différence entre le pasteur et le chrétien? Je crois qu'effectivement nous sommes tous appelés dans la mission et à, à avoir un rôle à jouer pour l'Église. Pourquoi Parce que Jésus a dit en Matthieu 28 allez par tout le monde, faites des disciples et annoncez la bonne nouvelle. Il a envoyé tous et chacun. Nous sommes tous appelés à jouer un rôle pour l'Église. Et je crois que parfois on aimerait. On, il y a deux choses. Dépendamment de quel sens on. on, on, on on se positionne, on aimerait soit que le pasteur calme sa motivation et ses ambitions. <laughs> oh, pasteur, calme-toi, là, c'est ça. Ou de l'autre côté, on aimerait que le chrétien du dimanche augmente son engagement envers Christ et envers l'Église. Vous me suivez? Par où on penche? De où on va? Paul, lui, se dit Serviteur. Il ne se nomme pas apôtre, il ne sort pas ses titres, il ne se nomme pas implanteur d'église, il se dit serviteur de l'église. Je sers l'église. Vous savez, moi, euh, je suis pasteur de titre, mais mon rôle, c'est berger, C'est serviteur de l'église locale, d'une église locale ici à Terrebonne. On a tous ce rôle-là, mais plus d'une plus grande image, je sais que je suis appelé à servir l'Église avec un grand E. Je sais qu'on est tous appelés à servir le royaume de Jésus au quotidien, à tout simplement aimer son prochain. Right? Peu importe le rôle, le titre, peu importe où tu es, dans mon quotidien, à la maison, je ne suis pas pasteur. Vous comprenez ce que je veux dire? À la maison, je ne suis pas pasteur. Mais je suis quand même appelé à aimer mon prochain. Je suis quand même appelé à, à rendre service à mon voisin et puis à aimer... Euh, les gens autour de moi, puis à servir ma femme. Vous me suivez? De la même manière que ce matin, s'il y a quelqu'un qui a un malaise cardiaque ici dans la salle et qu'il y a un autre euh, participant qui, a, euh, qui est docteur ou infirmier, tu es obligé, parce que tu as signé un papier, right? tu es obligé de porter secours parce que tu as les connaissances de le faire. C'est vrai ça? OK, good. On peut tous tomber malade un matin. <laughs> J'espère qu'il y a un infirmier. Y a-t-il un infirmier dans la salle au moins? De <laughs> la même manière, peu importe, Paul se, 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 se nomme serviteur serviteur de l'Église. Nous sommes tous appelés à servir l'Église avec un grand E. Et je ne peux pas m'empêcher aussi de t'inviter à, à considérer de servir même l'Église locale. J'ai une petite annonce à faire. D'abord, on a besoin, on a besoin euh, de gens euh, qui. S'impliquerait comme bénévole ici à l'église le dimanche matin. On, a, on est à la recherche de bénévoles pour le département des enfants à CLIC, qui sont une merveilleuse équipe, une merveilleuse famille, sont géniaux. Euh, combien ils sont reconnaissants pour tout ce qui se passe à CLIC? Le ministère pour les enfants, c'est incroyable tout ce qui prend place là, c'est excellent. Et j'aimerais juste t'inviter à considérer, t'impliquer comme bénévole, euh, que ce soit une fois par mois ou deux fois par mois, euh, surtout si tu es un parent même. Tu comprends l'importance de ce ministère-là. Alors, je t'invite à peut-être considérer de donner ton tour, toi aussi, euh, dans, euh, dans l'équipe. Et euh, sois rassuré, tu n'es pas obligé d'apporter un message le dimanche matin. Okay? On a besoin aussi de gens qui vont juste être aide-moniteur, qui vont être là avec les enfants, principalement aux scolaires et principalement à la préscolaire aussi, 3 à 5 ans. Donc, n'importe qui ici, si tu es assis ici, tu as euh, cette, euh, cette opportunité qui est devant toi et je veux juste euh, t'en faire mention pour que tu puisses considérer d'être euh, bénévole à Click. Amen. Donc tout simplement à la fin de la réunion tu peux aller prendre un document le disciple de Jésus sert un, un, un document d'implication et euh, remplir les informations venez nous voir connecter avec l'équipe il y a toutes sortes d'autres départements aussi à l'accueil montage montage la technique vidéo projection la musique toutes sortes d'autres départements donc n'hésite euh, pas à, à aller prendre un document pour cela ça va good alors pas le combat pour l'église mais L'église, elle est pour qui C'est quoi le secret On va lire ensemble. OK, vous êtes prêts Verset 27, on y va ensemble. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce plan secret, si riche et si magnifique, élaboré pour qui En faveur de tous les peuples. Et voici ce secret. Dites-le avec moi. Le Christ est en vous. Il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Ainsi, nous annonçons le Christ à qui À tout être humain. Nous avertissons et instruisons chacun avec toute la sagesse possible afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. À cet effet, je travaille et lutte avec la force qui vient du Christ et qui agit en moi avec puissance. Quel est ce plan secret Est-ce que ça veut déjà arrivé d'aller souper chez quelqu'un Là, un bon souper, tout ça, sais, arrive le dessert et là le gâteau arrive et le gâteau est excellent. Et là tu te dis oh, c'est bien bon ce gâteau là. Puis, là la personne l'autre, la personne qui t'a accueilli dit ah oh, ouais mais ça c'est la recette de ma grand mère tu sais. Puis, Là elle vante la recette de sa grand mère. Puis, là finalement tu te dis mais, mais c'est quoi sa recette? C'est quoi l'élément sacré? Puis, là elle commence à te nommer les ingrédients pour réaliser que finalement il y a rien de spécial dans la recette. Ça dire, tu déjà arrivé? Finalement, c'est un gâteau bien ordinaire, c'est une sauce à spaghetti bien normale. Il n'y a, a rien qui sort de l'ordinaire, il n'y a aucun ingrédient miracle. Et de la même manière, Paul est là, il parle du plan secret. Le plan secret mystérieux. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Il arrive enfin, il dit c'est quoi la recette? C'est Christ est en vous. Ah oh, ben on le sait, ça. On s'attendrait à quelque chose de plus, mais, mais c'est plénitude. C'est assez. Juste savoir que Christ, Jésus-Christ, vit en toi, c'est suffisant. Tu n'as rien besoin d'autre. Tu n'as pas besoin d'un petit quelque chose qui va changer la recette, qui va faire un petit peu plus, que tu vas avoir un peu plus. Non, Jésus-Christ est suffisant. Christ est en vous. Alors, si on continue ce cercle, à cause que Christ est plénitude, je suis prêt à souffrir, à combattre, à servir l'Église. Mais je sais que dans ma souffrance et dans mes moments personnels ou dans mon combat les plus durs, je sais que Christ est en moi. Et alors que je me réjouis que Christ est en moi parce que je sais qu'il est pleinement, qu'il est tout ce que j'ai besoin et j'ai rien besoin d'autre. Christ est plénitude. Puis à cause que Christ est plénitude, je suis prêt à souffrir. Est-ce que vous me suivez Je suis prêt à souffrir. Et dans ma souffrance, je sais que Christ est en moi. Est-ce que vous voulez que je continue ça encore longtemps ou vous vous me suivez Christ est plénitude. Et Paul dit, je ne combats pas juste pour l'Église, mais je veux faire connaître ce secret. Je combats pour tout être humain. En d'autres mots, il dit, c'est le combat de tous pour tous. Je veux qu'eux aussi découvrent ma plénitude, mon secret. Et ce matin, c'est pourquoi on fait tout ce qu'on fait. Peut-être que tu es ici pour l'une des premières fois, tu es invité, puis tu te demandes Voyons donc, c'est quoi cette église-là Qu'est-ce qu'ils font Ils sont bien allumés, ils sont bien, ils sont bien passionnés par rapport à ce qu'ils dit. Qu'est-ce qu'ils ont C'est parce qu'on a un secret, mais on ne veut plus le garder secret, on ne veut pas le garder secret. On veut te le dire Jésus-Christ veut faire partie de ta vie. Jésus-Christ, le Dieu infini, veut toucher ton cœur, veut remplir et combler les manques dans ta vie. Il est plénitude, il est tout ce que tu as besoin, il veut combler les manques, il est Dieu, il se réjouit, il se plaît à habiter en toi. C'est pour ça. On combat pour tout être humain et ainsi notre rôle devient glorieux. On est comme des ambassadeurs. Ambassadeurs. Dieu nous donne, en d'autres mots, Dieu nous donne une procuration. Hein? Une procuration, c'est comme quand tu vas à, à acheter une voiture à la SAQ. Puis là, tu, tu achètes une voiture d'un un autre propriétaire, donc d'un comment on appelle ça, un, un particulier. Merci. Donc, tu, tu, tu vas là à la SAQ et tu ne peux pas acheter la voiture sans que la personne, si elle n'est pas avec toi, doit te donner une procuration, un papier comme quoi qu'elle te donne le droit d'acheter sa voiture. Vous savez, Dieu nous donne une procuration. Dieu nous envoie en son nom pour proclamer à tout être humain la bonne nouvelle de Jésus. Il nous donne le droit, il nous donne le saut. Il dit, voici, je serai avec vous. Combat pour tout être humain. N'aie pas peur. N'aie pas honte. N'aie pas honte de ce secret. Et même, j'aimerais t'inviter, ou peut-être même te défier, à. à à, à t'identifier toi-même publiquement en tant que chrétien. Je ne parle pas ici d'imposer ta foi et d'être le chrétien qui parle tout le temps, là, puis fatiguant un peu là, au bureau. Non, non, je ne parle pas de ça. Je parle de juste assumer, affirmer, être prêt à t'identifier publiquement que tu suis Jésus, si tu en es rendu là dans ta marche. Mais je veux t'inviter et te défier. Pourquoi? Trois raisons. Parce que l'effet de la bonne nouvelle donne une énergie pour témoigner. Pourquoi on cacherait et on, 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 on pourquoi taire ce secret si merveilleux, si magnifique? Deuxième raison, parce que ça te garde humble. Pourquoi? Parce que l'Évangile c'est humiliant. Pensez un instant, l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est de dire et c'est d'affirmer que moi je suis pécheur, je suis rien, je ne mérite rien, puis Dieu m'aime. Me donne un amour. Je n'ai rien fait pour le mériter, mais Dieu me le donne. Ça, c'est sa grâce, son amour infini pour moi. Je ne peux rien faire pour le mériter. Puis je ne pourrai jamais rien faire de plus pour mériter cet amour. Pour ceux qui. Et pour nous, souvent dans notre orgueil, ça, ça vient nous défier parce qu'on est habitué de faire quelque chose et d'avoir une récompense. Right? Depuis qu'on est enfant, on dit ça. Sois gentil, puis tu vas avoir une récompense. Et on est habitué à ça mais Dieu va au-delà de ça puis il dit non 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 je vais te donner je te donne Jésus je te donne mon fils c'est humiliant alors ça nous rappelle que de rester humble et d'approcher même les gens qui ne croient pas avec humilité et non pas supériorité et avec un respect pour chacun troisième raison pourquoi on s'affiche parce que l'amour que nous expérimentons par Jésus nous comble elle nous comble et, et ça l'enlève cette peur et ce, ce, cette peur d'être approuvé par les autres. Souvent, on fait tout pour les autres, le regard. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais lorsque tu es comblé en Jésus, l'amour des autres n'a pas tant d'importance parce que tu as la plénitude en Jésus. Amen. Alors, plus ces trois dynamiques seront présentes dans nos vies, plus notre Église va puissamment attirer les gens communément. Mais souvent, j'ai l'impression que euh, on, on a demandé aux chrétiens contemporains, contemporains j'ai l'impression que le chrétien contemporain, en fait, pense que Jésus veut qu'on amène des gens à l'église. Que le chrétien ordinaire se bat pour amener des gens à l'église. Et se battre, c'est encore là un bien grand mot. Comprenez-moi bien. C'est une bonne chose d'amener des gens à l'église. Mais le but n'est pas seulement de les amener à l'église, espérant que la réunion ce matin va être bonne, que le pasteur va être en feu, puis qu'il va réussir à convaincre mon ami de suivre Jésus. Vous me suivez Eh, hey, c'est pas ça le but. Hein? Je suis désolé, mais j'ai pas une si grande pression que ça. Je <laughs> suis pas, pas assez bon pour convaincre ton ami, <laughs> pour persuader ton ami. Non. Tout ce qu'on fait, c'est parler et prêcher la bonne nouvelle de Jésus, puis on sait que le Saint-Esprit peut agir dans le cœur de chacun pour convaincre chacun de le suivre. Ce n'est pas à moi de le faire. Alors, je peux être poche. Mais... <laughs> le but de tous les chrétiens, c'est de faire découvrir Jésus. Et ça, c'est plus qu'une invitation. C'est de faire découvrir Jésus. Voici cinq étapes pour aimer ton prochain d'une manière bien concrète, pour mieux aimer ton, pour, ton, ton, ton prochain, pour mieux combattre pour les autres. Okay? Alors, je t'invite à sortir papier, crayon, si tu en as, ton cellulaire. Prends des notes, tu as le droit. Okay? Ce matin, tu as le droit. Et cinq étapes, parce qu'elles vont revenir, ces cinq étapes-là. Okay? Peut-être formuler autrement, mais vous allez me entendre parler. Et j'ai pas d'acrostiche cool, parce que je m'appelle pas encore Gaétan Brassard. Mais, mais j'ai cinq étapes quand même. Okay, vous me suivez? Cinq étapes concrètes. Comment faire en sorte que je vais pouvoir partager la bonne nouvelle à mon entourage. Premièrement, prie pour eux. On commence, on commence, on commence, on se réchauffe. Prie pour eux. Sois intentionnel dans ta prière. Va au travail, puis durant ton chemin, commence à prier pour les gens que tu vas côtoyer dans la journée. Commence à prier pour eux. Lorsque je m'en vais à ma ligue de hockey cosum le dimanche soir, je prie pour eux. Je commence, je me dis, hey, c'est vrai, je vais voir les gars à soir, Je prie que je puisse être un témoignage. Je prie que je prie pour tel gars, je te prie sa situation, je te prie. Je commence à prier pour eux. J'intercède pour eux. Deuxième étape. Écoute-les. Écoute les gens. Pourquoi? Parce que le chrétien parle beaucoup trop souvent. Okay? Écoute les gens. Écoute. Écoute leurs problèmes. Sois allumé à leur, à ce qu'ils vivent. Écoute-les. Troisièmement, mange avec eux. Hé, hey, Jésus, c'est quoi la première chose qu'il faisait avec les gens? Il allait manger avec eux. Il était réputé pour être un grand mangeur. C'est vrai! Il disait, lui il mange avec, il mange tout le temps. Regarde les récits bibliques. Jésus mange tout le temps pour vrai. Il vient juste d'être ressuscité, il arrive devant ses disciples, il dit, hey, est-ce que vous avez du poisson Il mange tout le temps. Il mange avec les gens. Il était réputé même pour, man pour manger avec des gens de mauvaise vie. Mange avec eux. Mange avec eux. Quatrièmement, rends service. Rends service. Offre-toi pour servir les gens. Hein? Je suis serviteur de l'Église, je suis serviteur de tous. Et finalement, cinquièmement, partage ton histoire l'histoire de ce que Dieu a fait dans ta vie. Partage l'espoir, partage ce secret, Jésus-Christ en moi. Cinq étapes. Alors, si on le rend concret, tu as ton ami Gilles au bureau. Là, tu vas te rendre au bureau ce matin, puis tu vas dire lundi matin, puis tu vas commencer à prier pour lui. Dans, dans, dans le train, puis tu commences à prier pour Gilles. Je te prie pour Gilles, je te prie que je puisse avoir du temps avec lui, qu'on ait une bonne discussion et tout ça. Ensuite de ça, tu arrives, c'est la cafétéria, tu vas même retarder un peu ton dîner pour attendre Gilles, puis manger avec lui. Et là, tu vas commencer à lui poser des questions. Hey, comment a été ta fin de semaine? Et là, il va te raconter, puis il va te raconter sa situation difficile et tout ça, puis les conflits peut-être qu'il a. Et, et peut-être qu'il ne va pas t'en parler entièrement, parce que toi et Gilles, vous êtes pas si intimes. Mais... « Ok, tu commences à 16 tu commences à écouter. »« Je comprends, je comprends. Il vit des défis, lui aussi. » Et finalement, tu vas dire, la troisième étape, c'est « Mange avec eux. » Bon, là, ça ne compte pas, vous êtes déjà à la cafétéria. Mais tu vas dire, hey, « <laughs> Hey, Gilles, qu'est-ce que tu dis de venir chez nous au Super Bowl? Venez, viens écouter le Super Bowl chez nous, on va manger ensemble. On va, on va, viens avec la famille, amène la femme, les enfants, on va avoir du bon temps ensemble. Invite-le, mange, mange avec lui. » Quatrièmement, Rends lui service. Parce que pendant le repas, évidemment, madame va, va sortir que Gilles n'a pas encore peinturé le salon. Ça fait trois mois qu'elle demande. Alors, tu vas dire, hey, tu sais quoi, Gilles, Gilles hey, on, on va prendre. Oh, tu n'as pas le temps. Je sais que tu n'as pas le temps, mais écoute, on va prendre un temps ensemble, là, on va le faire ensemble, ça va aller plus vite. Je, je vais rendre ce service. Et finalement, cinquièmement, seulement à ce moment-là, tu vas peut-être avoir une opportunité pour partager ton histoire. Partager ce que Dieu a fait dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, c'est pas, pas une stratégie, cinq étapes, tout ça. C'est juste pour t'aider. T'aider à mieux aimer ton projet ton prochain. Pas ton projet. Pas ton projet. Ton prochain. <laughs> Tes amis ne sont pas des projets. <laughs> tout ça prend du temps. Tout ça prend de l'amour. Tout ça prend être prêt à sacrifier quelque chose. Combattre pour tous les autres. Alors, cette semaine, notre défi. Hein, vous savez, depuis le début de cette thématique, on se donne un défi à chaque semaine. Quel était le défi de la semaine dernière? De ne pas se plaindre, de ne pas se plaindre, de ne pas chialer. Plusieurs n'ont pas réussi, je sais. Euh. Mais le défi de cette semaine est, est, est celui-ci. Fais une bonne action par jour en servant une personne qui ne le mérite pas cette semaine. Donc, déjà, tu as déjà ton cellulaire sorti, donc, mets-toi un rappel de servir quelqu'un dès demain matin. servir quelqu'un, qu'il que, qu ne le mérite pas ou, ou que tu t'attends de rien en retour. Là. Okay. Tu fais juste servir. servir. Okay. On va le rappeler aussi sur nos réseaux sociaux, le défi de cette semaine. Maintenant, on se pose la question, OK, je ne comprends pas pour l'Église. Pourquoi? Pourquoi on combat? Pourquoi on fait tout ça en fait? Voici Paul y répond en chapitre 2, verset 1. Je tiens à ce que vous sachiez combien dure est la lutte, le combat que je livre pour vous, pour ceux de l'Auditie et pour bien d'autres qui ne me connaissent pas personnellement. Je désire que leur cœur soit rempli de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis de toute la certitude que donne une vraie intelligence. Ils pourront connaître ainsi le secret de Dieu, c'est-à-dire Christ lui-même. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Je vous dis cela afin que personne ne puisse vous tromper par des raisonnements séduisants ou par des discours séduisants. On voit ici le, le résultat du combat. Pourquoi Paul fait tout ça? Parce qu'il dit, voici le témoignage que ça produit. Je fais tout cela pour que votre cœur soit rempli de courage. Pour que vous puissiez être unis dans l'amour, pour que vous puissiez être, avoir la certitude. Et ainsi, que tous puissent connaître le secret. Hé, hey, mais mes amis, quel est ce secret? Jésus. Christ est en vous. Je fais tout ça, nous faisons tout ça pour que tous connaissent le secret. Maintenant, c'est intéressant parce qu'il va dire euh, euh, les discours séduisants. Puis, euh, pourquoi il dit ça, c'est intéressant parce que plusieurs historiens et théologiens vont dire que la lettre est d'abord écrite à Epaphras, qui est le pasteur et le fondateur de l'Église de Colosse. Et euh, tous s'entendent pour dire que probablement il n'avait pas la même facilité ou éloquence au niveau de l'art oratoire que ses contemporains dans d'autres euh, croyances. Et vous savez, à cette époque, l'art oratoire était d'une grande importance. Et certains qui maîtrisaient cet art pouvaient attirer plusieurs par leur capacité de persuasion et par leurs beaux discours. C'est ce que Paul dit. Alors, souvent, ce qui arrivait, c'est que les grands, qui, avaient, qui étaient bons, persuasifs, amenaient des gens vers des fausses doctrines et menaçaient de faire tomber l'Église dans l'hérésie en disant qu'on pouvait compléter l'œuvre de Jésus avec d'autres croyances. Ces croyants, euh, ces enseignants, en fait, prétendaient avoir euh, une sagesse supérieure, exclusivement réservée à une élite spirituelle. C'est pourquoi Paul va dire En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tu n'as pas besoin d'être un grand d'une élite spirituelle. Tout se trouve en Jésus. Vous savez, je réalisais que euh, nous aussi, ça nous arrive souvent de se faire tromper par de beaux discours. Trompé par. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est un peu comme quand on écoute une émission et le personnage principal, c'est un méchant. C'est un voleur, c'est un tueur ou peu importe. Okay? Et tu écoutes l'émission ou tu lis un livre et l'auteur réussit à, à, à te décrire ce, ce personnage principal, tueur ou méchant, et, et, mais il réussit à, à te le décrire d'une manière, il t'explique son passé et tout ça, et finalement, tu réalises, tu commences à avoir de l'empathie pour lui. Tu réalises que la police le poursuit, puis tu ne veux pas qu'il se fasse prendre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écouter une émission comme ça? Hey, c'est un méchant! Hey, il est en train de. Mais tu ne veux pas qu'il se fasse prendre. demander demander tu fais un pas de recul, puis tu dis, Ben, voyons donc, hey, voir que j'ai de l'empathie pour ce personnage. Puis, souvent, j'ai l'impression que ça nous arrive où que, parfois j'écoute des discours, j'écoute une entrevue, j'écoute. Euh, peu importe, tout le monde en parle et tout ça, puis j'écoute des choses, puis... Je commence, ah oui, c'est bon, c'est intéressant. Puis, le, la personne en tant que telle, par son charisme, par son bon parler, m'amène dans une certaine pensée. Puis à un je, je m'arrête puis je dis eh, Non, c'est juste pas vrai ce qu'il dit. C'est juste pas biblique ce qu'il dit. Hey, ça juste pas de sens. Hey, c'est juste pas ça la bonne nouvelle. C'est pas ça la bonne nouvelle. Mais vous savez, souvent, on se fait avoir par des discours séduisants. Et sinon, parfois, on peut se sentir comme Épaphras, Épaphras ou comme les Colossiens. Qui, dans la ville, il y avait plein de grands hommes avec excellent éloquent. Puis eux sont là, Épaphras, il est le pasteur, puis il quand même, Moi, je ne suis pas si bon que ça, j'ai de la misère. » Puis des fois, on se sent comme ça parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. On ne se sent pas à la hauteur de, de propager la bonne nouvelle. On ne sent pas à la hauteur, on sent qu'on n'a sent qu pas assez de connaissances, qu'on ne serait pas prêt à engager des débats, fait on ne veut pas aller là, on n'a pas d'arguments, on n'a pas un assez gros témoignage. Hein? Tu mon témoignage de vie à moi, mes parents sont chrétiens, ils m'ont amené à l'Église quand j'étais petit. À 7 ans, j'ai comme compris Jésus, j'ai levé ma main. C'est ça. Hey, gros témoignage! Puis souvent, je, et certains me diront, wow, c'est incroyable, tout ça, puis merci Seigneur pour, pour l'œuvre qu'il a fait dans ma vie et de m'avoir gardé durant toutes ces années. Mais, mais mon point est souvent, on, on, on est intimidé parce qu'on se dit, il ah, faudrait mon témoignage soit, hey, je, je suis allé dans la drogue, je suis allé partout, puis, puis Dieu m'a sorti de là, puis. Vous me suivez? Et souvent, je me suis senti, personnellement, souvent, je me suis senti comme ça. J'ai pas grand-chose, je n'ai pas grand-chose à raconter. Mon histoire, ce n'est pas. Euh, ouh! Puis je lis, je lis ces paroles que Paul dit. En Jésus-Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tu as tout ce, ce qu'il te faut, tu l'as. Tu as, as Jésus-Christ, tu as tout ce qu'il faut. Ton témoignage rit, euh, dit que, que tu as Jésus-Christ en toi, tu as tout ce qu'il te faut. Ah, tu n'as pas d'argument, tu as peur de, de déparler, tu as peur de ne pas avoir les, bonnes, les bons mots. Mais Dieu va te donner la sagesse et la connaissance. Tu as tout ce qu'il te faut pour combattre pour tous les êtres humains. Et finalement, je vais inviter les, les musiciens à venir me rejoindre pour le dernier verset de ce matin. On lit ensemble. Chapitre 2, verset 5. Paul va dire Même si je suis absent de corps, je suis à vos côtés en esprit et je suis heureux de vous voir tenir bon et rester solide dans votre foi au Christ. Je vais vous inviter à vous lever, à tous et à chacun. Ce matin, le texte nous parlait de ce combat, ce combat pour l'Église, ce combat pour les autres, ce combat pour euh, annoncer le secret. Et on a vu ensemble le résultat que ça produit chez les gens. Ça les encourage, ça les garde unis dans l'amour. Puis Paul termine en, dit, en disant, au bout de la ligne, là, je vous regarde. Là. Puis je suis heureux de te voir tenir bon et rester solide dans ta foi à Jésus-Christ. Reste solide dans ton combat. Parce que si tu n'es plus là, tu ne pourras jamais influencer et impacter les gens autour de toi. Alors, d'abord et avant tout, reste solide dans ton combat. Le bon combat. Paul va dire le bon combat, le combat de la foi. Reste solide. Puis, alors que je vous regarde, je veux vous dire je suis heureux de vous voir tenir bon et rester solide dans votre combat. De la foi dans votre combat à rester accroché à Christ. Je suis heureux de te voir. Je suis content que tu restes accroché. Je suis content que tu sois solide. Tu dis, oh Max, non, 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 moi je ne suis pas vrai, je suis vraiment faible. Je suis pas solide, je suis pas là. C'est correct. C'est correct. Tu es ici ce matin. Et ensemble, on a juste l'opportunité de retourner vers ce secret, de redécouvrir ce secret. De redécouvrir, on va chanter ce nom si merveilleux, Jésus. Jésus qui vit en toi. Reste solide, reste accroché. Découvre Jésus, ramène-toi à Jésus. Rappelle-toi, il est plénitude et parfois tu vas être dans la vallée de l'ombre de la mort, tu vas être dans la souffrance, mais dans cette souffrance-là, Christ est en toi. Et alors que tu vas te ressourcer en Christ, tranquillement tu vas te rappeler qu'il a tout. Il est plénitude. Il a tout pour toi. Il peut combler tout. Il va te relever.